Le président de la République togolaise a participé dimanche à la 5e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, au stade de Kégué à Lomé. Accompagné du Premier ministre Selom Kommy Klassou, du président de l'Assemblée nationale Dama Dramani et de plusieurs membres du gouvernement, Faure Sozimnanya Zingbé est allé témoigner toute sa reconnaissance à Dieu aux côtés des milliers de Togolais qui ont fait le déplacement pour la circonstance. Organisée par le Conseil chrétien du Togo, cette édition a été marquée par des prières d'intersection. De méga concerts de louanges. D'adoration et de remerciement à l'Éternel pour ses bienfaits à l'endroit de toute la population togolaise. Cette journée nationale de reconnaissance à Dieu avait eu comme particularité l'intense prière en faveur de notre pays, le Togo, eu égard à la difficulté que nous connaissons tous, que notre pays est en train de traverser il y a un bon moment. Et nous avions dit que c'est bon de venir devant Dieu pour lui rendre grâce, lui dit merci pour tous ses bienfaits à notre endroit et à l'endroit de notre nation. Mais quand le moment est particulier, il faut faire des actions particulières. C'est pourquoi nous avons consacré une bonne partie du temps de cette journée à intercéder, à prier, à supplier l'Éternel en faveur de notre nation, le Togo. En rappel, les fidèles de toute dénomination chrétienne et leurs pasteurs ont imploré la paix, la grâce et la bénédiction du Tout-Puissant sur le Togo et sur l'ensemble des autorités togolaises, en particulier sur le chef de l'État togolais.